Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je sais que je vous ai manqué, vous m'avez manqué aussi. Alors aujourd'hui, je reviens avec une idée fabuleuse de prank, je vous assure. J'étais en train de faire mon ménage tranquille et cette idée m'est venue en tête. Pouf! Je vais la faire. Vous voyez, je suis prête, je suis en train de sortir, je suis en train d'aller travailler, mais je vais faire ce prank. Alors voilà, je vais provoquer mon frère. Je vais le provoquer avec, voilà, des mots au téléphone. Je vais passer un appel téléphonique en sa présence. Je vais faire genre, je pense, je sais pas ce qu'il est là. Et je vais parler très fort. Actuellement, il est sorti, mais il revient. Il va revenir travailler à la maison, d'après ce qu'il m'a dit. Donc, il va certainement travailler sur sa machine, sur le plan de travail, comme il le fait souvent. C'est parfait, quoi. Parce que ma nièce, déjà, elle est en train de jouer avec. Je sais pas si on dit le là. Ring light, en fait. Elle est en train de jouer avec. Elle a laissé le téléphone dessus et c'est le plan idéal. Il va même pas se rendre compte. Enfin, en fait, on va éteindre, mais voilà quoi. Alors avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous savez, c'est la seule façon que vous avez vraiment de me soutenir. Let's go. Regarde, mon frère est en train de venir. Je l'ai entendu arriver. Donc je vais fixer le téléphone et lancer la vidéo en fait. Parce que si je tarde trop. Bref, je ne sais pas quand il rentre, il s'occupe de quelque chose, vous voyez. Donc je vais fixer la caméra et lancer la vidéo. Parce qu'il faut que quand il rentre, il voit qu'il y a le téléphone, tout ça, qu'il se... De rien. Bah ouais, c'est clair. Je suis trop excitée. J'espère qu'il va pas me gifler. Ceci. C'est quoi? Tu joues avec les fleurs sur la table? Oh. La chaise ici, la table. Moi, j'ai été comme ça. Tu as mon téléphone, mais... Il arrive là, il ne faut plus laisser ça sous la lumière. Le Néo doit travailler ça, mon frère. Ça, c'est quoi ça? On fait cela comme ça. Tu es encore plus lent que mon grand frère. Tu quoi? Alors, dépêche-toi, je te l'envoie pas, il n'envoie pas. Attends, mais dis-moi, tu as fait comment finalement pour la faire comme ça? Hé, le gars, tu allais tout gâter là-bas. Qui l'a mal dit en bête comme ça? Tu es plus bête que mon frère. Non, Esther, bien, j'ai aimé. Oui, ah, je ne peux même pas manquer la sortie là. Je fais ça pour moi, j'ai fini de composer, j'ai fait une semaine, non, mais lui, je sors pas, c'est quoi? Le village, non, c'est bien là, mon frère. Ah, toi, tu connais mon frère, non? Oui. Je pense que même aujourd'hui, j'ai fait comment pour sortir. J'ai arrêté de sortir. Dès que j'ai appris à sortir, j'ai arrêté de sortir. J'ai embrouillé comme la souris, souvent il m'a laissé. Tu y as pas. Donc, il m'a laissé. Il m'a dit, papa. Alors, après toi, on parle. Moi, je suis apprécié. Thank you.
matin à la veille du deuil. Donc, ta sortie du deuil. Ta sortie du deuil. Je vais rentrer tôt, j'ai mes trucs. Ton ami, donc ton ami malade là, c'est le DJ. Donne-moi tes clés. Donne-moi tes clés. Je vais récupérer tes clés également. Vous allez sortir quand je suis à la maison. C'est pas possible. Donc dis que l'enfant de quelqu'un, c'est comme ça où tu es les enfants des gens dehors. Dis que l'enfant de quelqu'un est malade. Si d'abord là mon projet est en train de me déranger. C'est d'abord des choses comme ça que j'enregistre la vidéo depuis ça s'annule seul. Ça c'est même quoi ça? Tu ne peux pas réfléchir. Je t'ai déjà dit, tu ne sors plus. Tu ne sors plus. À compter d'aujourd'hui, c'est fini. C'est fini dans la maison aussi. C'est fini dans la maison aussi. Et quand tu vas dans ta chambre, c'est même quoi ça? Je suis bête. Tu as vu ton bête, non? Mais ce prank, vous n'allez pas le nier, je l'ai réussi à la perfection. Mais il y a un gros souci, j'ai pas encore dit à mon frère que c'était un prank. Tu ne sors plus. Tu ne sors plus. À compter d'aujourd'hui, c'est fini. C'est fini dans la maison aussi. Il est dans sa chambre. Je ne veux pas. Parce que la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu ce prank, ça remonte à près d'un an. La dernière fois, quand je lui ai dit que c'était un prank, ça a mal tourné. Donc, je vais essayer de voir si ça collait PPC avant que je lui ai dit que, gars, pardon, regarde, c'était le prank. Et quand tu vas dans ta chambre, c'est même quoi ça? En tout cas, les gars, je sais que vous avez aimé la vidéo. Alors, lâchez un pouce bleu. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont réussi à regarder la vidéo jusqu'à la fin sans liker. Like. Alors que tu as vu, tu as rien, like, pardon. Surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Commente et partage. C'est la seule façon pour vous de me soutenir, les gars.